À la présidence de la République, le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno a accordé cet après-midi une audience à la plateforme interconfessionnelle. Reportage à suivre en volet 1 de ce journal. Le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzaba, a reçu en audience ce mercredi deux sénateurs américains qui séjournent au Tchad. Les échanges des trois personnalités ont porté sur les relations bilatérales entre le Tchad et les USA, avec un accent sur la seconde phase de la transition. Et puis la 6e édition du mois du livre de la lecture a été officiellement lancée ce matin à la Bibliothèque nationale sous le thème « Tous lisons pour transcender nos différences ». Le mois de livre est un moment d'échange et de partage entre les amoureux du livre. Voilà donc pour le sommaire. Vous regardez Télé-Tchad, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce soir, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé cet après-midi une audience à la plateforme interconfessionnelle du Tchad. Au menu de l'entretien, l'insurrection du 20 octobre dernier ayant causé mort d'homme. On fait le point avec Angal. Exhorter chaque Tchadien, à travers les prêches, sermons et prédications, à semer dans son cœur des graines de tolérance et du pardon, afin d'accepter de prendre une part active à la refondation du pays, c'est à cela que s'attelle la plateforme interconfessionnelle depuis le début de la transition. Ce rôle, elle l'a encore assuré à la suite des récents événements survenus le 20 octobre dernier, et qui ont causé mort d'homme. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, qui mesure la portée de chaque mot prononcé en faveur de l'entente des fils du Tchad, a réservé dans son agenda de ce mercredi 2 novembre 2022 une rencontre avec les leaders religieux. Ils sont conduits par Cheikh Mahamat Khatir Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Monseigneur Edmond Ditangar Godbe, archevêque métropolitain de N'Djamena, et révérend Dimalngar Madibaye de l'Entente des Églises et Missions évangéliques du Tchad. Le président de transition les a remerciés pour le rôle important qu'ils jouent en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et de la réconciliation nationale, à en croire Monseigneur Edmond Ditangar Godbe. Notre discours, nous les religieux, c'est toujours le même. Ce discours d'appeler à la paix, à la réconciliation, au pardon, à dépasser les clivages. Alors, ce discours souvent interprété diversement, chacun tire le drap à soi, pense que nous le soutenons ou que nous sommes en train de soutenir les autres, alors que les religieux, nous nous tenons au milieu. Nous voulons dire tout ce qui touche la vie humaine, tout ce qui touche la justice sociale, tout ce qui touche le respect des citoyens entre eux. Ça, nous avons le devoir de le proclamer haut et fort. Les leaders des trois confessions religieuses ont pris congé du chef de l'État à l'issue des discussions placées sous le sceau de la parole de Dieu, en appelant les uns et les autres au calme et à la retenue. À la primature, le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, a reçu ce mercredi deux sénateurs américains qui séjournent au Tchad. Les échanges entre les trois personnalités ont porté sur les relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis, avec un accent particulier sur la seconde phase de la transition et les malheureux événements du 20 octobre dernier. Hamid Koumi.
Deux sénateurs américains qui séjournent en N'Djamena au Tchad sont venus ce mercredi 2 novembre 2022 échanger avec le premier ministre de transition Salé Kebzabou. Il s'agit de Mme Heather Phelan et Aaron Sapson. L'audience entre les deux membres du Sénat américain et le chef du gouvernement de transition a lieu en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Lascaris, et de la secrétaire d'État aux affaires étrangères, aux Tchadiens de l'étranger et à la coopération internationale, Kassiré Ousna Isabelle. L'entrevue a porté sur les relations entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique, avec un accent particulier sur la seconde phase de la transition et les malheureux événements du 20 octobre dernier, précise l'ambassadeur Alexander Lascaris. Nous avons discuté de deux choses. D'abord, c'était les événements de 20 octobre, la nécessité d'avoir une enquête vraiment indépendante. Nous avons dit aussi que l'importance de la transition, l'importance d'avoir une commission électorale nationale vraiment indépendante, sous un leadership non partisan et technocratique, pour que le Tchad puisse avoir une élection démocratique, inclusive, transparente. Nous avons aussi discuté l'importance du processus de rédaction de la Constitution et du code électoral et l'importance d'intégrer tous les éléments de la société, du gouvernement, du parti en pouvoir, de l'opposition, de la société civile, etc. La visite de ces deux personnalités américaines au Tchad vient renforcer davantage les excellents liens de coopération qu'entretiennent N'Djamena et Washington. Arrivé au Tchad en août dernier, le diplomate américain Alexander Lascaris réitère l'engagement sans faille des États-Unis d'Amérique à accompagner le Tchad dans la seconde phase de transition jusqu'à l'aboutissement des élections libres et démocratiques à la fin de la transition. Maputo, la capitale du Mozambique, a abrité du 29 octobre au 1er novembre 2022 la 42e session de l'Organisation des parlementaires de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. La délégation tchadienne a été conduite par le président du Conseil national de transition, par ailleurs président en exercice du CIP et G5 Sahel, Dr Haroun Kabadi. Les échanges ont tourné autour des stratégies de lutte contre le terrorisme. Mbaye Ngardikina. C'est pour ne pas rester indifférent à la problématique de la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, l'un des thèmes phares de cette rencontre de Maputo, que le président du CNT et président en exercice du CIPG5 Sahel et sa suite ont pris part à ces assises. Toutes les interventions ont tourné autour des stratégies à mettre en place pour lutter contre le financement du terrorisme, le renforcement du contrôle des armes et le partage des renseignements. Il appelle par ailleurs à l'union et à la solidarité de tous les États membres de cette organisation. Pour le président en exercice du CIPG5 Sahel, Dr Haroun Kabadi, cette question du terrorisme dans l'espace Sahel est une question de survie et appelle à une lutte commune. Nous ne voyons pas comment nous allons arriver à lutter efficacement contre le terrorisme tant que les efforts internes des pays ne seront pas accompagnés par une stratégie globale et de mutualisation des efforts par la communauté internationale. C'est pour cela que j'invite l'Assemblée parlementaire des ACP et les pays de l'Union européenne et les Nations unies d'apporter une contribution substantielle pour la lutte, certes, contre le terrorisme, en réduisant de manière drastique le nombre de ces terroristes dans l'espace Sahel et dans mon pays, le Tchad, et apporter également les financements nécessaires pour le développement économique, social et culturel dans cet espace. À signaler que cette 42e session était précédée d'une autre rencontre de l'ACP qui s'est déroulée du 25 au 31 octobre. Une délégation tchadienne a pris part à cette rencontre où plusieurs sujets ont été débattus. La situation politique du pays a été exposée par les représentants du Tchad et ils ont reçu en retour le soutien de partenaires que cette organisation interparlementaire compte 79 pays membres. Le président en exercice du CIP, G5 Sahel et président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, s'est prononcé à la fin des travaux sur la question du terrorisme en Afrique subsaharienne. Je vous propose de l'écouter. Nous avons assisté à l'Assemblée parlementaire entre les ACP et l'Union européenne sur la question du terrorisme. Et donc ce que nous déplorons, c'est que beaucoup de pays ne veulent pas apporter leur aide
pour lutter efficacement contre le terrorisme, par exemple dans le Sahel. C'est vrai, la France est intervenue massivement à travers Barkhane. Nous également, en tant que Tchadiens, nous avons intervenu massivement. Mais tous les autres pays européens n'ont pas apporté leur contribution comme il se doit, comme les Nations Unies d'ailleurs. Et donc ça veut dire que le Sahel est confronté toujours à cette situation du terrorisme qui ne fait que continuer à se métaster. C'est comme un cancer qui continue à se développer, et sans qu'on ne trouve vraiment des solutions. Et c'est vrai qu'au Tchad, notre situation est un peu meilleure que les autres. Mais les pays tels que le Mali, le Burkina et le Niger connaissent énormément de difficultés. Donc que faut-il faire? Malheureusement, ça ne s'arrête pas dans les pays du G5 Sahel. Ça va également au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et bien dans d'autres pays, même le Cameroun et le Nigeria. Donc ça veut dire qu'il faut un effort mutuel de tous les pays, non seulement des pays africains, mais de tous les pays à travers le monde et surtout à travers les Nations Unies pour qu'on trouve vraiment une solution. Docteur Haruna Kabadji, dans des propos recueillis par Ali Arabi. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Nour Amate Ibidou, a ouvert ce matin au Musée national un atelier de formation sur le mécanisme de mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif et souverain relative aux personnes vivant avec un handicap en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Varelaj Tongostan. Les personnes vivant avec un handicap sont prises en compte lors de la tenue du dialogue national inclusif et souverain. La Commission nationale des droits de l'homme organise cette formation qui porte sur le mécanisme de mise en œuvre des recommandations de cette grand-messe nationale en faveur de cette frange de la population. Objectif, proposer des stratégies pour l'épanouissement de ces personnes vivant avec un handicap. La CNDH, au sein de laquelle une sous-commission est chargée de l'égalité des droits de la femme, des enfants, des personnes handicapées et autres groupes vulnérables, se sent donc directement interpellée et par conséquent estime devoir vous impliquer pour explorer ensemble les mécanismes de mise en œuvre de ces recommandations et résolutions. Les thématiques mises sur la table sont celles de veiller à l'application des textes, conventions, décrets d'application et bien d'autres pour la protection des droits des personnes handicapées au Tchad. Et puis, sachez que la mission gouvernementale conduite par le ministre Lakoinkourayo Médar se trouve toujours à Sar pour véhiculer le message de paix et du vivre ensemble. Reportage. L'objectif de ce déplacement est de transmettre un message de paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique à la population du Moyen Chari. Souhaitons la bienvenue à la délégation ministérielle. Le gouverneur de la province du Moyen Chari, le général Ousmane Brahim Djouma, s'est réjoui de la présence de cette équipe et a précisé qu'aujourd'hui les plus hautes autorités du pays accordent une importance particulière à la paix et à l'unité nationale. S'adressant aux différentes couches socio-professionnelles de la province du Moyen Chari, le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation Agricole, Lakoinkourayo Médar, n'est pas passé par quatre chemins pour féliciter et encourager les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité qui ont su maintenir l'ordre et la population du Moyen Chari qui a fait preuve de maturité lors des manifestations survenues le 20 octobre dernier. Il a demandé à tout un chacun d'avoir l'esprit de tolérance, du pardon et de l'amour du prochain. De son côté, le ministre Djerassem Le Bemadel a souligné que cette paix tant recherchée par le peuple tchadien est visible. Et pour qu'elle puisse véritablement se concrétiser, il faudrait que les Tchadiens donnent une chance à ce nouveau Tchad qui est en train de se définir. Voilà, et puis dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la communauté tchadienne du Gabon partage les peines avec tous les compatriotes qui sont sinistrés et puis ceux qui ont également été victimes des attaques du 20 octobre, des manifestations du 20 octobre. Et demande à Dieu le Tout-Puissant de consoler les cœurs des familles endeuillées. La communauté tchadienne demande également
au gouvernement de transition, à la communauté internationale, aux bonnes volontés, aux pays amis du Tchad à voler au secours des sinistrés. Il interpelle tous les hommes politiques, le gouvernement, les sociétés civiles tchadiennes de tous bords à enterrer pour toujours la hache de guerre, l'esprit de haine, de vengeance, de division, de régionalisme, de communautarisme et combattre tous les maux qui gangrènent notre société commune. À la signature, Madi Mouba David, président de la communauté tchadienne du Gabon. La suite de cette édition, le ministre de la Communication, Aziz Mamad Saleh, s'est entretenu ce mercredi avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining. La coopération bilatérale entre les deux pays et bien d'autres sujets de l'heure ont été évoqués. À de meilleurs temps. Wang Xining, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, vient ce mercredi à la rencontre du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mamad Saleh. C'est pour témoigner le soutien de son pays à la transition au Tchad. Soutien pour lequel le ministre de la Communication a exprimé au nom du président de transition et celui du gouvernement ses reconnaissances. Les deux personnalités ont en outre revisité les liens séculaires de coopération entre le Tchad et la République populaire de Chine et comptent les renforcer davantage. Et nous pensons que en fait, la Chine et le Tchad ont des relations d'amitié de longue durée. Et puis nous pensons que pendant la transition du Tchad, on aura aussi des coopérations de plus profondes. Nous soutenons fermement la transition qui est en cours au Tchad. Et puis nous allons aussi soutenir le développement économique et social du Tchad. Le diplomate chinois rassure par ailleurs son interlocuteur de l'accompagnement de la République populaire de Chine au processus de développement socio-économique du Tchad. S'agissant de la presse tchadienne, un programme type de visite des journalistes en terre chinoise est présenté au ministre de la Communication, Aziz Mamad Saleh. Le Tchad a présenté hier son deuxième rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture. À ce comité des Nations Unies, l'ambassadeur représentant permanent du Tchad en Suisse, Amat Makaila, a rappelé les engagements pris par le Tchad et leur respect, notamment la charte de transition du 20 avril 2021, sans perdre de vue les questions liées aux manifestations du 20 octobre 2022. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Nous, en tant qu'État, et des questions qui nous posent face à nos responsabilités, mais également appellent nos obligations. Beaucoup de questions, Monsieur le Président, ont tourné autour des événements du vent et de tout ce qui a découlé suite à ces événements. Des documents ont été cités. Sans aller dans les détails, j'aurais aimé, pour une question de justice et de transparence, que l'ensemble du document qui ont été cités soit mentionné. Nous avons bien conscience que nous sommes dans une transition, mais nous n'avons aucunement conçu ou penser cette transition comme étant une zone de non-droit. Le gouvernement de la transition est entièrement en phase avec l'ensemble des engagements pris par la République du Tchad et entend les respecter. Nous ne disons pas qu'il y a des exceptions parce que nous sommes en transition. Et je fais les liens avec les ratifications qui sont attendues, notamment la ratification de la Convention et la ratification du protocole facultatif. Je dois informer de façon préliminaire, bien évidemment, le comité que toutes ces ratifications sont à l'étude et ces ratifications interviendront une fois, bien évidemment, que les études sont terminées et il n'y a visible, en tout cas, nous n'avons aucune connaissance d'un blocage quelconque ou d'un empêchement qui pourrait empêcher que le Tchad puisse respecter ses engagements.
Voilà, dans le même sillage, sachez que de nombreuses questions ont été soulevées par le comité, notamment les événements survenus au Tchad le 20 octobre 2022, la peine de mort, les conditions de détention dans les prisons, les violences faites aux femmes, la pénurie du personnel pénitentiaire en milieu carcéral, la traite des personnes, l'indemnisation des victimes du régime Hissène Habré, le rôle de la CNDH, le mandat de l'ANS, les disparitions forcées, la pratique de la DIA, la détention provisoire, la prise en charge sanitaire, le droit de l'enfant, etc. L'ambassadeur a également répondu à plusieurs questions du comité en soulignant notamment que les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les événements du 20 octobre sont contradictoires et exagérés. Sur ce, le comité a appelé les dérives de la DIA. L'ambassadeur a fait observer que la pratique de la DIA au Tchad n'a jamais été une procédure d'extinction de l'action pénale. En ce qui concerne les allégations sur la prison de Korotoro, l'ambassadeur Ahmad Makaila a fait savoir que cette prison n'est ni un bagne ni un goulag. C'est une prison de haute sécurité comme cela existe dans plusieurs pays du monde. La délégation tchadienne s'exprimera de nouveau le jeudi 3 novembre 2022 et apportera d'autres éléments de réponse sur les différentes préoccupations soulevées par le comité des Nations Unies contre la torture. La ministre du Genre et de la Solidarité nationale a accordé ce matin une audience aux représentants du Fonds monétaire international, département Afrique, Madame Arina Vezette, une audience qui s'inscrit dans le cadre de la courtoisie et du travail. On fait le point avec Ibrahim Abdoulaye Ouartougou. La représentante résidente du département Afrique du Fonds monétaire international, Arina Vezette, fait le déplacement du ministère du Genre et de la Solidarité nationale. Elle a été reçue en audience par la ministre Amina Priscille Longo. Cette visite a été l'occasion pour la représentante Arina Vezette de féliciter la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, pour la confiance renouvelée par les plus hautes autorités à la tête de ce département. Au cours de cette entrevue, qui a duré environ une demi-heure, les deux personnalités ont échangé sur des questions liées à l'émancipation de la femme et des renforcements de la coopération entre la FMI et le Tchad. Le FMI soutient les femmes, que les femmes sont importantes dans l'économie, que c'est un rôle qu'on a besoin en fait de promouvoir et qu'au FMI on essaie de maintenant intégrer vraiment les femmes dans nos missions principales. C'est sur une note de satisfaction que la représentante résidente au département Afrique du Fonds monétaire international quitte le ministère. Le ministre de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial, Mamat Amate Lazina, a eu ce matin une rencontre d'échange avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Mouzikaï Fanny Kela Joseph. Le chef du département de la jeunesse sollicite l'expérience sud-africaine dans le domaine des nouvelles technologies. Innocent Kilayo. Considéré comme un pays émergent dans plusieurs domaines, y compris le domaine des entreprises et de la technologie, l'expertise et l'expérience sud-africaine intéressent bien le ministère de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial dans sa lutte contre le chômage des jeunes. C'est pour cette raison que le ministre Mahamat Ahmad Lazina a eu une rencontre d'échange avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Nous voulons que les entreprises sud-africaines de nous accompagner avec la technologie, c'est-à-dire et qu'elles soient représentées par des jeunes Tchadiens ici qui ont déjà des projets entrepreneuriels. C'est une opportunité pour la jeunesse tchadienne et nous, notre devoir, on est instruit et le chef de l'État insiste pour qu'on crée de l'emploi aux jeunes. L'ambassadeur d'Afrique du Sud et le ministre de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial comptent multiplier ces rencontres d'échange en vue de faire venir les investisseurs sud-africains pour aider le Tchad à créer des emplois pour sa jeunesse. Et je vous le disais en titre, la 6e édition du mois du livre et de la lecture a été officiellement lancée ce matin à la Bibliothèque nationale, placée sous le thème « Tous lisons pour transcender nos différences ». Le mois du livre est un moment d'échange et de partage entre les amoureux du livre. C'est le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat qui a ouvert les travaux. Nguyen Ben Guéry.
Véritable moment d'échange et de partage entre les acteurs de la chaîne du livre, le mois du livre et de la lecture est un cadre qui permettra de mettre en exergue le livre et surtout d'inciter la jeunesse à la lecture. Pour cette 6e édition placée sous le thème « Tous lisons pour transcender nos différences », le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat voudrait inviter le public en général et la jeunesse en particulier à aller à la découverte de nos différences et diversités afin de connaître et d'accepter de vivre en symbiose pour la construction d'une nation plurielle. Aller vers l'autre et le découvrir passe par le livre et la lecture. En effet, la culture permet de s'ouvrir au monde, de comprendre et de communiquer avec ce qui nous entoure, et donc de se déplacer, se nourrir, se soigner, apprendre des choses. Elle permet aussi de se divertir, de rêver et de réaliser son potentiel. Le mois du livre et de la lecture, faut-il rappeler, est aussi l'occasion de récompenser les compatriotes qui seront distingués à travers les écrits sur le Tchad et qui ont porté haut le flambeau national dans le domaine culturel et artistique. Pour cette édition, plusieurs activités sont au programme, notamment les conférences, débats et les ateliers d'écriture qui seront organisés et animés par d'éminentes personnalités du monde de la culture. Le secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole, Abakar Ramadan, a lancé aujourd'hui, ici même à N'Djamena, le projet d'appui à la gestion intégrée des chenilles légionnaires du Tchad, un projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Précision, Remadi Orion Odette. La chenille légionnaire d'automne a fait son apparition en Afrique centrale en 2016. Une année plus tard, l'on constate une invasion sans précédent de ce ravageur au Tchad. Elle s'attaque à plus de 100 espèces de plantes, y compris des cultures d'importance économique telles que le riz, le sorgho, les cultures maraîchères et le coton, occasionnant ainsi des dégâts très importants. Pour faire face à cette menace, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le gouvernement ont initié un projet de lutte contre cet insecte nuisible. Favoriser la lutte intégrée contre la chenille légionnaire au Tchad à travers l'approche champ-école-paysan. Renforcer les capacités techniques nationales dans la lutte de ce ravageur à travers des formations au bénéfice des producteurs et des techniciens ainsi que de campagnes de sensibilisation à tous les niveaux. Pour le secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole, grâce à ce projet, le Tchad viendra à bout de ce ravageur redoutable. Le dégât de la chenille légionnaire d'automne sur les productions agricoles au Tchad seront atténués et limités grâce aux actions de la lutte intégrée. L'objectif principal du projet est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations tchadiennes à travers des actions de lutte efficaces contre la chenille légionnaire. Fruit de la coopération technique entre la FAO et le gouvernement, le projet est financé à hauteur de $250,000, soit 150 millions de francs CFA pour une période de 2 ans. Et moi, en politique, l'ancien vice-président de Transformateur Mahamat Mustapha Masri a fait un point de presse ce matin pour saluer l'engagement des plus hautes autorités en faveur de la paix, la stabilité au Tchad. Il annonce par ailleurs la création dans les jours à venir d'un parti politique et demande aussi la libération des personnes arrêtées le 20 octobre dernier. En voici un extrait. Nous ne pourrions nous départir de notre devoir, fût-elle minime, envers le peuple tchadien dans sa globalité et sa diversité, un et indivisible, et envers la nation. En conséquence, nous vous annonçons la mise sur pied, après concertation avec nos militants et militantes engagés dans un idéal pour la justice, l'égalité et l'équité, par la voie pacifique et participatif dans les jours à venir d'un parti politique dont la vision sera la paix et la cohésion sociale. Nous serons aux côtés de tous les acteurs engagés dans la recherche de la paix, de l'unité, de la souveraineté et de la préservation de nos acquis par la voie pacifique.
nous accompagnerons et resterons disponibles à apporter notre part de colibri dans la dignité et la préservation de la vie humaine. Je saisis l'opportunité ici de réitérer mon appel envers le président de la transition, chef de l'État et au gouvernement d'Union nationale d'amnistier et de libérer tous les prisonniers arrêtés lors de ces événements douloureux du 20 octobre. Des jeunes, ils ont été endoctrinés, manipulés et jetés en pâture. Libérez-les. Libérez-les au nom de la paix, au nom de l'avenir et pensons nos plaies. Quant aux familles endeuillées, de les accompagner et de les soutenir et de mettre en place un organe de soutien psychologique au nom de la nation assistante. Au président de la transition, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui nous a tendu instantanément la main à l'annonce de notre démission, à nos forces de défense et de sécurité, qui nous ont apporté spontanément leur protection, telle est l'essence de l'armée, protéger ses citoyens. Voilà, des propos recueillis par Kanga Tchamaï et Rimaï, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, Inch'Allah. Bonsoir.